Bonjour à tous et bienvenue sur Ashrama, un Ashrama bien consacré aujourd'hui à nouveau au Nokia Lumia 800. Si on consacre une nouvelle vidéo quelques mois après sa sortie, ce n'est pas pour parler du téléphone en lui-même, mais plutôt d'une application, donc on va plutôt parler de Windows Phone 7 cette fois-ci, et d'une application que je voudrais vous montrer, parce que tout simplement, en fait, l'un des gros manques sur Windows Phone 7, eh bien, c'est tout simplement une application YouTube en natif. Donc on sait qu'il existe une application Dailymotion, mais malheureusement au niveau de YouTube, rien n'a été fait. Il y a une application proposée par Microsoft, mais qui renvoie directement à la version mobile du site, donc qui est très incomplète. Donc là, je vais vous parler d'une application qui s'appelle YouTube Pro. Donc on est ici, on va l'ouvrir directement. Donc ici, il s'agit de la version d'essai, mais la version payante est disponible et ne coûte pas grand-chose, moins de 3 € si je ne m'abuse. Donc personnellement, je vous la recommande vraiment. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement la meilleure application YouTube qui existe sur le marketplace. Et j'irai même encore plus loin, c'est la meilleure application YouTube tout court, voire même meilleure que sur celle proposée sur les smartphones Android. Pourquoi meilleure ? Eh bien tout simplement parce qu'elle permet en fait d'enregistrer directement les vidéos. Donc ça, c'est vraiment super bien foutu. Donc là, voilà comment se présente l'interface. Donc vous avez les vidéos les mieux notées, vous avez les abonnements, et donc là voilà, vous avez tout ce que vous avez. Donc vous pouvez télécharger, vous pouvez uploader, vous avez votre boîte de réception, vous avez l'historique, vous avez vos vidéos, les favoris, donc vos playlists, bref, tout ce qui va bien, les abonnements. Donc voilà, c'est vraiment super complet. Par exemple, ici on va aller sur mes vidéos, donc je suis connecté avec le compte d'Ashrama, et donc là vous voyez que toutes les dernières vidéos sont bien ici. On va par exemple jouer le dernier Ashrama Live, donc Journey. Et donc vous voyez, on a le choix de la résolution. Et puis ici, la vidéo s'ouvre directement. Donc après un rapide buffering. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Ashrama Live, un Ashrama Live que l'on va consacrer. Et voilà, et donc là vous voyez, il y a... Alors je vais diminuer un petit peu le son. Donc il y a plusieurs options. Donc le 16:9 4 tiers qui a pas l'air de fonctionner des masses. Le plein écran ou pas. Donc là vous voyez que sur la version d'essai on a de la publicité, mais ça disparaît donc sur la version payante. Vous pouvez directement laisser le commentaire ici. Donc vous voyez, vous écrivez votre commentaire et puis vous l'envoyez. Et là on revient à la vidéo. Et donc en fait, ce que je voulais vous montrer également, donc c'est la possibilité de télécharger la vidéo. Donc voilà. Vous voyez, donc vous pouvez mettre le plus 1, moins 1. Allez, on va rajouter un plus 1. Tant qu'à faire, ça fait pas de mal. Donc voilà les options, vous pouvez la partager directement donc dès l'application, l'ajouter à vos favoris, vous abonner à la chaîne, ce qui est pas plus mal. Et donc là voilà, télécharger, hop, je vous montre comment ça se passe. Et donc là, comme vous pouvez le voir tout en haut ici, il est en train de télécharger la vidéo directement donc dans la mémoire du téléphone. Donc voilà, c'était vraiment une présentation assez brève, mais en tout cas que je tenais vraiment à faire, parce que c'est une application que j'ai découvert paradoxalement il n'y a pas très longtemps, et qui du coup est vraiment d'une très très grande utilité, d'un très grand intérêt pour Windows Phone 7, puisque ça répare un très très gros manque. C'est le manque en fait de l'application native. Donc voilà, l'application elle se trouve sur le marketplace, et donc elle s'appelle YouTube Pro tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, d'ailleurs tant qu'on est ensemble, on va directement voir ça. Donc on va se rendre sur le marketplace, que je ne vous dise pas de bêtises quant au prix. Et donc on va aller la chercher, YouTube Pro. La voici. Donc là, il met qu'elle est installée. Voilà, elle coûte 1,29 €. Donc vous voyez que j'étais encore très très largement au-dessus. Donc voilà. Moi, j'ai essayé la version. Je tenais absolument à vous la présenter. Et donc, voilà. Pour 1,29 €, vous avez vraiment quelque chose de tout à fait correct. Une très très bonne application YouTube, enfin disponible pour Windows Phone 7. Voilà, c'est tout pour le moment. On se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos. À très vite.